Bonjour à toutes et à tous, c'est Angora de la Rive Gauche. J'espère que vous allez tous bien et que les choses se passent à peu près comme vous le souhaitez. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui est un sujet très, très grave et tabou, malheureusement, dans tous les continents du monde. Je vais parler du viol des femmes. Je vais d'abord m'adresser aux victimes. Vous, les victimes, n'oubliez pas que les victimes, c'est vous. Et bravo et mes félicitations à celles qui ont eu le courage, parce qu'il en faut, ça je le sais, d'aller dénoncer la personne qui vous a fait du mal, la personne qui vous a souillé. Il faut beaucoup de force et de courage pour ça. Et je vous en félicite vraiment. À celles qui ont été victimes et qui n'ont pas encore eu le courage d'aller dénoncer leur violeur, je vous incite à le faire, à prendre votre courage, je sais qu'il en faut, à aller dénoncer la personne qui vous a fait du mal, parce que c'est un acte malsain, maléfique, diabolique. Je m'adresse également aux familles des victimes, celles qui s'amusent à garder le secret par honte, parce que c'est tabou, nanana, tous ces genres de conneries-là. Tabou. On a fait du mal peut-être à ta fille ou à ta nièce ou à ta soeur. Et tu vas garder le silence, c'est-à-dire que tous les jours de ta vie, tous les jours tu vas vivre avec. Mais comment est-ce qu'on peut supporter de telles choses? Un tel fardeau, comment est-ce qu'on peut le supporter? C'est faire abstraction déjà de la souffrance de la personne qui a subi. Donc vous aussi, je vous invite à prendre votre courage à deux mains. Et à ne pas laisser sous silence ce genre d'acte diabolique, méprisable et condamnable. Ces personnes méritent d'être punies à la hauteur de l'acte qu'ils ont commis. Parce que c'est mal et c'est malsain. Vous les violeurs là, parce que je sais qu'il y a des violeurs aussi qui regardent YouTube. Un, soyez maudits. Deux, vous n'êtes pas des hommes. Un vrai homme n'a pas besoin d'aller violer ou forcer une fille à avoir des rapports sexuels avec. Un vrai mec n'a pas besoin de ça. Voilà. Donc vous êtes des grosses merdes, je tenais à vous le dire. Je sais qu'il y en a parmi vous qui regardent YouTube aussi. Vous êtes des grosses merdes. Vous êtes des sous-hommes. Parce qu'un homme, un garçon qui se respecte, qui a un peu d'orgueil, de fierté et de dignité, n'a pas besoin d'aller forcer quoi que ce soit pour avoir des rapports sexuels avec une femme. Donc je vous le répète, les femmes, les filles, pardon. Si vous êtes victime de ce genre de choses, commissariat direct. C'est lourd, c'est pesant. Vous allez vous sentir humilié. Vous allez devoir exposer certains aspects de votre vie. Mais l'essentiel est que la justice soit faite et que c'est un acte qui doit être condamné. La personne qui doit avoir honte, je vous le rappelle, c'est pas vous. C'est le démon qui a osé vous toucher là. C'est pas vous qui devez avoir honte, bien au contraire. Donc, s'il vous plaît, bravez votre peur, bravez la honte. Parce que forcément, on éprouve un sentiment d'humiliation. Le fait d'avoir été souillé dans sa chair, dans sa personne, d'avoir été humilié, abaissé, on se sent honteux. Mais n'oubliez pas que la victime, c'est vous, et que la personne à avoir honte, c'est pas vous, mais c'est l'autre abruti de démon qui n'a même pas de respect pour sa mère, parce qu'il oublie que c'est une femme qui l'a enfantée. Vous les violeurs là, il y en a même qui sont pères de famille, hein, qui sont mariés, qui ont eu des enfants. Vous ressentirez quoi si un jour vous apprenez que quelqu'un a violé votre enfant, ou a violé votre femme, ou a même violé votre mère? Parce qu'il y en a qui s'en prennent aux personnes d'un certain âge aussi. Eh oui, ça va jusque-là. Donc c'est juste le petit message que je tenais à faire passer. Et s'il vous plaît, partagez au maximum cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Si vous aimez, bah vous likez. Je vous embrasse tous et vous souhaite tous
Un très très bon dimanche. Au revoir.